Qu'elle se maquille, en moins de 3 heures, faut prendre un bain et se faire les mains. Elle mange un petit toast du bout des lèvres avant d'aller courir les magasins. Voir les collections, les tableaux, les orfèvres, c'est fatigant, c'est éreintant, ça c'est certain. Tandis que moi qui ne suis rien, une petite fille de français moyen, quand je travaille, je me sens bien, et la fortune viendra de mes mains. Elle commande toujours la petite voiture qui vient de gagner le rallye le plus connu. Mais ne leur parlez pas surtout littérature, car elles savent tout du dernier livre qu'elles n'ont pas lu. Elles vont voir toutes seules des films étranges auxquels personne ne comprend jamais rien. Gaiement, car rien ne les dérange, la dialectique, la politique et l'art ancien. Tandis que moi qui ne suis rien qu'une petite fille de français moyen, j'apprends chaque jour en m'amusant que l'expérience vient avec le temps. Leur esprit s'épanouit, que c'est bon quand l'existence est compliquée. Dans la vie, elle s'ennuie, tant d'amis et pas un seul sur qui compter. Tandis que moi qui ne suis rien qu'une petite fille de français moyen, j'ai peu d'amis, mais je sais bien qu'ils sont tous là quand j'ai du chagrin. Les petites filles précieuses des grandes familles sont courtisées par des jeunes gens guindés. Elles sont attirées bien sûr par ceux qui brillent, et c'est pourquoi elles n'ont toujours que des regrets. Tandis que moi qui ne suis rien qu'une petite fille de français moyen, j'aime un garçon sans prétention, et près de lui je me sens si bien. La vie.